L'ange du Seigneur dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Matthieu 1, 20, 21. Méditons sur le mystère du don du Christ. Car l'époux de Marie, qui au début de la vie de Jésus reçoit le nouveau-né dans ses bras paternels, oriente nos regards vers le Seigneur pour y discerner près de Marie un autre Joseph originaire d'Arimathie qui reçoit dans ses bras le corps brisé de Jésus afin de lui donner une sépulture. De part et d'autre de l'évangile se tiennent l'un Joseph, le père adoptif de Jésus, et l'autre Joseph qui recueille son corps. De part et d'autre de l'unique mystère de l'incarnation rédemption se tiennent ces figures prophétiques qui nous enseignent le mystère de l'abandon du Fils de Dieu dans nos mains d'homme. Donner et recevoir l'amour de toute notre vie depuis le commencement jusqu'à la fin. L'un et l'autre, Joseph témoigne pour toutes les générations que nous avons à accueillir de Dieu le don de la vie et à le donner auprès de ceux qui sont faibles, les petits, les pauvres, les malades, les mourants. Ils sont pour nous les signes de la bienveillance et de la prodigalité de Dieu.